En tant qu'Ardéchoise, j'adore les châtaignes et c'est un réel plaisir pour moi de les retrouver chaque année en septembre-octobre. Alors on dit souvent qu'elles sont bonnes pour le transit intestinal. Mais alors est-ce que c'est vrai? Avant de vous en dire plus, sachez que vous pouvez me retrouver sur notre groupe Facebook afin de me poser toutes vos questions. Alors la châtaigne, c'est le fruit du châtaignier. Mais d'un point de vue nutritionnel, elle est plutôt classée comme un féculent parce qu'elle est très riche en glucides, notamment en amidon. Donc c'est un aliment qui est très énergétique et qui remplace très facilement les pâtes, le riz, les pommes de terre. Les châtaignes sont également une bonne source de fibres qui vont agir au niveau du transit intestinal en augmentant le volume des selles pour permettre une meilleure élimination. Donc effectivement, la châtaigne améliore le transit intestinal. Alors comment préparer la châtaigne? C'est très simple. Il y a plusieurs façons, mais vous pouvez la faire cuire au four. Pour ça, il suffit de faire une petite entaille sur le côté de chaque châtaigne, vous les placez sur une plaque au four et vous les faites cuire 20 minutes. Vous pouvez également les faire cuire à l'eau. Dans ce cas-là, il faudra faire une entaille d'un bord à l'autre de la châtaigne en passant par la pointe. Vous les mettez dans une casserole, départ eau froide. Vous faites chauffer, vous attendez que ça boue pendant 3 minutes. Ensuite, vous les placez directement dans l'eau froide, ce qui va vous permettre d'enlever plus facilement la peau et la fine pellicule amère qu'il y a autour de la châtaigne. Donc la châtaigne, elle est très digeste, seulement si elle est bien cuite. Donc il ne faut pas se rater au niveau de la cuisson. Un autre point qui est très intéressant au niveau de la châtaigne, c'est qu'elle ne contient pas de gluten. Donc quand on est intolérant au gluten, c'est un très bon aliment qu'on peut consommer. Et il existe également la farine de châtaigne qu'on peut utiliser pour cuisiner. Alors si cette vidéo vous a plu, commentez-la, j'attends vos retours. Si vous souhaitez que j'aborde un thème en particulier, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo. Et dernière chose, partagez, likez, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous.